Bonsoir. Bonsoir. Alors un petit mot sur la série là que vous allez présenter vendredi, je crois, c'est ça? Samedi au public. Voilà, samedi 16h30, Zach. Ouais. C'est ça, donc un petit mot, comment ça se passe? C'est l'histoire de quoi? Alors Zach, c'est un faux docu sur une star de R&B français. Qui est extraordinaire en fait, qui a une foi en son talent illimité et assez dogmatique et on peut dire un peu bête. Voilà, et qui est entouré voilà, de Prosper, son manager, joué par Nader Boussandel, son assistante Sonia, jouée par Rebecca Azan, Judith Siboni en patronne de maison de disques et Olivia Cotte en fan. Voilà, belle équipe. Et du coup, vous allez montrer ça à un public, en live, en vrai. Vous avez une petite appréhension? Bah ouais. Oui, c'est clair. Heureusement, on commence à être un peu rodé. Les trois premières qu'on a faites, on était carrément en panique. Et puis là, il y a plein de gens en fait qui sont top avec nous. En fait, ils ont, on a hâte de voir, donc on est un peu plus détendu. Mais ouais, on a peur que voilà, enfin, il faut que ça plaise quoi. Et alors pendant le festival, sinon pendant tous ces jours-ci, qu'est-ce que vous faites un peu la journée? Vous profitez un peu du ski? Vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Non, on skie. On skie et on se fait des films. Et pour l'instant, il y a une très belle sélection. Ouais. Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Officiellement, même si j'ai été viré, officiellement, je suis maître de cérémonie. J'ai pas le droit de dire mes coups de cœur. Non, mais pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai vu, c'était top. Comment ça, vous avez été viré, maître de cérémonie de clôture? Non, c'est une blague. C'est une blague, mais vous verrez samedi. Vous pouvez nous faire un petit teaser sur la surprise de samedi ou que... Pourquoi ça passe quand, c'est quoi? Un petit teaser sur la surprise de samedi. Non, mais je vais vous faire Citizen Kane. Oh yeah, c'est pour vous que j'ai fait cette interview.